une expérience formidable de le faire à Istanbul, ne serait-ce que... Déjà, les enregistrements sont régulièrement interrompus par l'appel à la prière du muezzin. C'est tout à fait extraordinaire. Ça nous rappelle où nous sommes. Et puis, oui, c'est vrai, ça nous inspire, bien sûr, parce qu'on est environné de cette ville qui est une ville totalement mythique, bien sûr. Sociétés traditionnelles, pour les musiques traditionnelles, il y a plus de possibilités d'échange. Donc d'une part, ça c'est pour moi c'est intéressant, et puis de prouver que si on cherche à souligner ce fait que une musique qui n'est pas forcément folklorique, elle a plus de possibilités d'accès et d'échange avec d'autres cultures. Thank you.
Je connaissais la Turquie, mais ce que je ne connaissais pas, c'est la richesse du répertoire de la musique ottomane, qui est une grande musique de cour. Là, il y a vraiment un grand répertoire, avec une musique magnifique, une musique majestueuse. On est vraiment, ben, je ne sais pas, ça correspond à nos grandes œuvres, à nous qu'on peut connaître en musique ancienne, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. C'est une musique qui a été faite pour la cour du sultan. Donc c'est une musique extrêmement raffinée, faite par des gens qui étaient de grands musiciens. Donc c'est une musique, raffinée, je pense que c'est le bon mot, et en même temps incroyablement expressive.